Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet épisode du Guitar Vlog consacré aujourd'hui aux différents timbres de la guitare. Donc aux différents timbres qu'il est possible d'obtenir avec la guitare. Donc bon, si vous jouez au Mediator on a toute cette palette de sons possibles. Vous voyez ici, selon en fait la largeur, l'épaisseur, enfin selon l'épaisseur du Mediator par exemple. Regardez, enfin, écoutez plutôt, hein, je vais mettre du son. Selon où en fait on attaque ici, que ce soit vers le bas ou vers le haut, en fait on n'a vraiment pas le même son. Et notamment il n'y a pas si longtemps j'ai trouvé un truc, c'est de vraiment jouer proche du chevalet. Enfin j'ai trouvé, ouais. Quand je suis dans les aigus, j'essaie de jouer des fois ici. Selon le micro qu'on met, donc par exemple c'est les petits trucs que j'aime bien en ce moment là, mais sinon bon j'essaie de après si on joue au doigt, si on joue en picking ou si on joue de version classique, on n'a pas du tout le même son. Et pareil selon où on attaque aussi. Au pouce encore, on a un autre son. Quand on joue version classique, un peu comme ça. Ça c'est en pincé, ça s'appelle. Et en buté, on a encore un autre son. Donc donc voilà, il y a tellement de choses à faire. Plus on en apprend, plus il y en a à connaître. Par exemple aussi on peut jouer en palm muting, et ça fait partie du timbre. Ça peut être apparenté par exemple à la technique de pizzicato. Donc en fait sur le violon faire des pizzicati, je crois qu'on dit des pizzicati quand c'est au pluriel. En fait c'est le fait de pas jouer les notes à l'archer comme ça, mais en fait de faire de faire ça quoi. De faire du palm mute mais... Donc il y a tellement de possibilités, de sonorités qu'on peut ressortir de l'instrument, c'est quand même plus, si vous voulez, plus j'en découvre, parce que bon, des fois je cherche des sujets pour le vlog, des fois je me dis, mais c'est... Il y a tellement de choses, de paramètres possibles et imaginables, c'est incroyable. Même au niveau du timbre, regardez, si vous jouez en legato, là, en ce moment, je m'entraîne à vraiment jouer. Je m'entraîne à jouer vraiment en jeu legato comme ça, et le son est complètement différent. Bon, quand on met un peu de distorsion quoi, je sais pas si ça va pas être moche là. Désolé pour le buzz, c'est quand je suis en face de l'écran. Mmh.
C'est ce que j'essaye de m'entraîner à faire en ce moment. C'est bon, vous savez très bien que je suis un grand fan d'Alan Holdsworth, donc voilà, il y a toute cette notion là. Si on joue en tapping, on a encore un autre. Si vous faites par exemple, si vous le faites en tapping, ça n'a pas du tout le même son. Quand vous jouez le pouce, si vous jouez avec, bon, j'ai pas de médiator de différentes tailles parce que je joue tout le temps avec les mêmes pratiquement que je sur n'importe quelle guitare, je joue pratiquement avec le même médiator, donc il y a tellement, on se rend compte avec la guitare, le nombre de possibilités qu'il y a, c'est, je sais même pas si c'est pas réellement infini, mais vraiment, quand je vous dis infini, c'est, et je suis sûr que j'en oublie. Voilà, il y a tellement de techniques de jeu aux doigts différentes, buté, pincé, picking, finger picking, il y en a qui jouent qu'au pouce, il y en a qui alternent les deux, il y en a qui alternent les trois, il y en a qui alternent tous les doigts. Je veux dire, c'est... médiator pareil, tout le monde a une technique de main droite différente, il y en a qui carrément attaquent avec la tranche comme ça du médiator. Vous voyez, au lieu de par exemple de faire comme ça, je sais pas si vous allez voir par exemple de basiquement comme ça quoi. Il y en a, ils font, si vous voulez, ils attaquent comme ça. Ou même comme ça, renverser vers le. Alors je sais pas, bon ça c'est chacun son truc, mais. Puis après, est-ce qu'on appuie fort, est-ce qu'on appuie pas fort à la main gauche, et tout ça change le son, la façon, la qualité. Quand je dis qualité, je parle pas de bonne ou mauvaise, mais la qualité de votre peau, de votre corne au bout des doigts, la forme de vos os, la forme de votre main, tout ça influe sur le son. C'est magique quoi. C'est presque comme si vous achetiez un jeu vidéo, la guitare, sans parler, et je parle pas de la musique en général, des déclinaisons d'accords, de l'inspiration, puisque alors là, si on rajoute les paramètres d'inspiration, on est pratiquement... je sais même pas si c'est pas... Enfin bon, bref, c'est énorme. On n'aurait pas assez de 500 000 ans pour tout explorer, quoi. Et c'est ça qui est fascinant. Voilà, comme je vous dis, c'est comme si vous achetiez un jeu vidéo et que jamais vous puissiez le finir. Voilà, c'est magique, quoi. C'est génial. Voilà, donc c'est... Et encore, il y a des techniques parallèles, encore, dont je... par exemple, je sais qu'il y a, par exemple, Sylvain Lui qui utilise pas mal ça, là. Ben voilà, c'est il y a des centaines de milliers de façons de jouer, c'est ça qui est magique. Les gars, j'espère que cette petite vidéo vous donnera des idées pour chercher en fait des endroits où jouer, hein. Par exemple Scofield, hein, il fait un peu... Ah, c'est magique la musique. Allez les gars, je vous dis à bientôt. Bye, ciao.